Monsieur. Oui. Celle-ci c'est qui? Oui, c'est ma femme. C'est ta femme. L'autre, c'est ta fille. Oui. Toi, tu es sa fille? Oui, oui. Toi, tu es la femme? Oui, oui. Je vois comme si elle est grosse. Mais non, ça oui, est papa. Bim, papa. Oui? Oui, papa. Je vois, elle est grosse. Hein? Oui, oui, papa. Mais comment il va, papa? Et puis, cette grossesse, jusque-là, ça n'a pas encore dépassé 2 mois. Aïe, a pita miens, Bim. Oui. 2 mois et 1 semaine. Deux mois et une semaine. Mais le prophète Christian vient de voir. Accord. Char de combat. Regarde ton mari. Regarde ton mari. Mon gars, bon. Dis-lui que cette fois-ci, je n'avorte pas. C'est ma itour, Mr. Toshamim. Je reçois. Yassa. C'est fini. C'est ça l'église. Wow. C'est merveilleux d'être ici. Pourquoi tu te tiens à la bouche? Je suis étonné. On a ça gagné. Tu regrettes quoi? On a ça gagné. Je suis étonné, je me pose des questions. Tu n'étais pas là, c'est un secret du couple. Toi, tu connais ça comment? Vous voulez avorter cette grossesse? On a peine à mes talks. N'est-ce pas? Je vous vois dans le programme, madame et monsieur, pour aller avorter. Attention. Wow. Pourquoi? Il voit ça comment? Écoutez, n'osez pas enlever cette grossesse. Oui, papa. Dès que vous allez avorter, Mukito, c'est tout. Dieu me dit, vous allez ouvrir le chemin, la voie de commencer à enterrer vos enfants. Dans la vie, papa. Cette grossesse ici, imimba. Cet enfant vient avec une clé de délivrance. Oui, mutoto le pena fungulo ya ufungulivu. Pourquoi voulez-vous avorter? Joanini munapenda imimba itoke. Écoutez. N'osez pas. Mouchipime. Tu as compris? Oui, papa, mon achikia, maman, mon achikia. Regarde ce que Dieu va faire. Quand cette grossesse va arriver à 4 mois, Dieu dit, il va ouvrir un contrat. Que toi tu vas signer. Oui, Amen. Si vous voulez avorter, c'est parce que vous vous dites que Maïs n'a quoi en gouffre. C'est parce que vous dites que la vie est devenue difficile. Et puis vous ajoutez, vous dites que les enfants sont devenus nombreux quand même. Écoutez-moi. Dieu dit. C'est lui qui continue à vous donner. Et cet enfant ici vient libérer. Quand, à 4 mois, il y aura 2 choses qui vont arriver. Amen. Toi, tu vas signer un contrat. Et Yvonne va trouver un mari. Je reçois, papa. Lâche sa part. Elle saute. Yvonne. Yvonne. Tu sais, quand tu as vu, je vois, je suis à Kasumbalesa. Quand tu as vu ta soeur là, à Kasumbalesa, qui s'est mariée là, quand tu l'as vu, qu'elle s'est mariée, tu as pleuré. Tu as dit, comment moi, sa grande soeur, je ne vis que de déception. Écoute, Dieu dit ceci. À partir d'aujourd'hui, cette grossesse, ton petit frère qui est dans le ventre. Oui, petit frère, on a surtout la moule. Dieu me dit, à 4 mois, dans le ventre de ta mère, toi, un mari, un gros mari. Un gros bon amunene, bon Max. Je vous bénis. Nami bariki. C'est fini, allez glorifier Dieu. Amen. Kunaisha mwene mushukuru Mungu. Allez-y. Mwene mushukuru Mungu.